Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag. Le tag c'est Ton Slash Qui de Purple Graph en live. J'ai été taguée par elle. Donc pour les questions, moi comme j'ai pas de centre équestre, truc comme ça, je vais répondre par rapport au physique et à ce que je vois des figurines et non par rapport à ce que pourrait être un cheval dans un centre équestre. Moi je fais plutôt au physique du cheval. Donc la première question, ton slash préféré, alors sans hésitation. C'est un âne, et oui. Donc je trouve parmi les ânes, c'est la plus belle ânesse qu'il y a chez Schlech. Donc ça, c'est mon Schlech préféré. Ensuite, ton plus vieux Schlech. Alors c'est le premier Schlech de 1985, qui n'a pas de race. Donc le voilà. Ensuite, ton Schlech qui n'aime pas l'eau. Bon, je dirais celui-là, je sais pas pourquoi, mais c'est un des seuls Schlech qui a une matière étrange. Je sais pas pourquoi, mais j'ai... J'oserais pas le mettre dans l'autre, celui-là, il est trop bizarre comme matière. Ensuite, ton Schlech qui est le plus méchant. Alors je trouve Schlech a fait ce Schlech, bah, logique, ce cheval assez méfiant et on peut dire méchant à cause des oreilles qui est en arrière. Je trouve que ça fait un peu un faciès méchant. Donc pour moi, je dirais que c'est cette jument Camargue. Après, ton Schlech qui est le moins craintif. Je dirais c'est cette jument, la jument Effringer de 2006. Je sais pas, elle a l'air toute calme. Ensuite, ton Schlech qui te touche le plus, c'est ce petit ânon. Il a tellement une petite bouille d'ange, je trouve. Donc je dirais que c'est lui. Ensuite, ton Schlech qui est le plus doué en dressage. Alors par rapport au physique du cheval, je trouve quand même que c'est l'ancien étalon Lipizzan. Bah l'ancien, comme il n'y a pas de nouveau encore. C'est cet étalon Lipizzan, il a vraiment, je trouve, une posture de dressage. Même si c'est peut-être pas le cas, j'en sais rien. Je suis pas vraiment douée en dressage. Ton Schlech qui est en cours de débourrage. Alors, c'est deux Polish Yearling. Enfin, Yearling, ça veut dire jeune cheval, donc ils sont un peu en période de débourrage, je dirais. Ensuite, ton Schlech qui fait le plus attention aux enfants. Je dirais, c'est la Mini Shetland. Elle a vraiment une petite tête. Tout adorable, donc je pense que ouais, c'est ce Schlech là qui a plus un visuel d'ange. Après, ton Schlech qui est le plus courageux, le Lusitanien, il a vraiment une carrure de gros cheval déjà qui est prêt à affronter tout. Donc voilà. Ensuite, qui tagues-tu? Alors, je tague les personnes suivantes: Bout de ficelle Schlech, Aska. Et Chacha Schlech. Alors, si vous avez sur étagère aussi, bah faites comme moi par rapport au physique. Sinon, faites par rapport à votre centre équestre, les chevaux qui va dans les critères qui sont là. Et je pense pas que vous l'avez fait encore ce tag. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, bye bye!